La méditation de ce 10 juillet est intitulée « Des martyrs dans les derniers jours ». Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, 2. Chaque individu dans ce monde devra se ranger sous l'un des deux étendards. Les deux armées seront différentes, séparées, et cette dissemblance sera si marquée que beaucoup de ceux qui seront convaincus de la vérité se placeront du côté du peuple de Dieu qui observe ses commandements. Quand cette œuvre grandiose aura lieu dans la bataille, avant le dernier grand conflit, beaucoup seront emprisonnés. Un grand nombre fuira des villes et des villages pour sauver leur vie, et bien d'autres supporteront le martyre par amour pour Christ lorsqu'ils défendront la vérité. Par le décret qui obligera à observer l'institution de la papauté en violant la loi de Dieu, notre nation abandonnera complètement la justice. De même que l'approche des armées romaines était pour les disciples un signe de la destruction prochaine de Jérusalem, ainsi cette apostasie sera pour nous un signe du fait que la patience de Dieu est épuisée, que cette nation a atteint le comble de son iniquité et que l'ange de la miséricorde est sur le point de s'envoler pour ne jamais revenir. Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que les prophètes ont surnommé « le temps d'angoisse de Jacob ». Les cris des fidèles persécutés monteront jusqu'aux cieux, et de même que la voix du sang d'Abel criait de la terre, on entendra aussi celle des martyrs qui s'élèvent de leurs tombes, des profondeurs de la mer, des cavernes des montagnes et des voûtes des couvents, disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Apocalypse 6, 10. Quand le cinquième sceau fut ouvert, Jean, le voyant, vit sous l'autel l'ensemble de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Après cette vision suivirent les scènes décrites dans le chapitre 18 de l'Apocalypse, où les personnes fidèles et sincères sont appelées à sortir de Babylone. Christ rendra la vie qui aura été ôtée, car c'est lui qui donne la vie. Il embellira les justes en leur donnant la vie éternelle. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, 2. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.